Só do povo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'ambassade du Cameroun en France. Aujourd'hui, samedi 20 mai 2017, le Cameroun célèbre la 45e édition de sa fête nationale sous le thème « Armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité. » Comme chaque année donc, à cette occasion, de nombreuses manifestations commémoratives sont organisées à Paris et dans d'autres localités en France. La cérémonie d'honneur au drapeau de la République qui nous rassemble en ce moment ici même dans cette salle d'apparat de notre représentation diplomatique à Paris est l'une des grandes articulations inscrites au programme de ces festivités. Conduit dans le respect du cérémonial militaire, les honneurs seront rendus par un détachement composé de nos élèves officiers venus des écoles militaires françaises et les personnels de la mission militaire. Elle est placée sous la haute présidence de son Excellence Monsieur Samuel Bondo Ayolo. Après la première partie de ce cérémonial marqué, comme vous l'avez suivi, par l'entrée solennelle du chef de la mission diplomatique au rythme du son de la marche, l'exécution de l'hymne national et le salut aux couleurs, le passage en revue du piquet d'honneur et le salut au corps constitué militaire, la cérémonie va se poursuivre à présent par un autre temps fort, à savoir la remise solennelle des décorations aux récipiendaires de la promotion du 20 mai 2017. Ils sont 5 qui vont être distingués cette année,
en recevant des insignes de nos ordres nationaux, à savoir dans l'Ordre national de la valeur pour le grade de commandeur, M. Charles Ematti. Pour le grade d'officier, M. Jean-Louis Emmanuel Atangana Amougou. Pour le grade de chevalier, M. Pierre Didi Tchakonté, Mme Menduga Atangana, épouse Tiam. Dans l'ordre du mérite camerounais, pour le grade de chevalier, M. Sylvain Latté. Alors, portez ça. Les antennes. Ça. Ouvrez le banc. Monsieur Charles Ematti, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au rang de commandeur de l'Ordre de la Valeur. Monsieur Jean-Louis Emmanuel Atangana Amougou, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre de la Valeur. Mr. Pierre Didi Tchakonté, in the name of the President of the Republic and by the virtue of the powers conferred towards on us, we hereby raise you to the Knight of National Order of Valor. Atangana Chang, in the name of the President of the Republic and by virtue of the powers conferred on us, we hereby raise you to a Knight of the National Order of Valor. Ouvre le vent.
Mr. Sylvain Latté. In the name of the President of the Republic, and by virtue of the powers conferred on us, we hereby raise you to the Knight of the Order of the Cameroonian Merit. Bonjour. Qu'est-ce que cela vous fait d'être distingué par votre pays, le Cameroun, aujourd'hui ? C'est d'abord, si je peux le résumer en un seul mot, c'est la fierté. Je pense qu'aujourd'hui, je suis très fier, comme un enfant, un gamin, qui reçoit son premier jouet. Ah bon ? Hein, avec les yeux écarquillés, c'est ma première médaille, vous voyez. Et surtout, je ne m'attendais pas. Non, pas du tout. Donc, j'ai été tenu au courant jeudi. Que j'étais tout à fait, que j'étais parmi la liste. Comment est-ce que vous avez été informé ? Non, j'ai été, disons que j'ai été informé par l'ambassade de France. Voilà, exactement, l'ambassade de France que j'étais. Et vous imaginez, j'étais à mon travail ce jeudi après-midi, donc je suis à Bordeaux, bien sûr, il fallait que je m'organise, j'étais très très heureux, et vraiment, la cérémonie se passe bien, je pense qu'il y a tout le monde qui est là, ça me fait, vraiment, comme on dit, ça me fait chaud au cœur, voilà. Et je suis fier aujourd'hui d'être Camerounais, franchement. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va vous souhaiter pour l'avenir ? Non, pour vis-à-vis du Cameroun, bien entendu. Non, bien sûr, je pense que tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est de porter cette flamme. Vous voyez, moi je suis un enseignant d'université, je suis un enseignant-chercheur et j'ai beaucoup d'étudiants camerounais à l'université de Bordeaux. Et je pense que nous, on les aide aussi. Le fait que je sois là, ça leur facilite quelque part les choses parce qu'ils s'identifient à moi. Comme je leur dis, je suis là, vous pouvez venir me voir. Et j'ai aussi beaucoup, je travaille beaucoup aussi avec des gens au Cameroun, des collègues avec qui on collabore. Donc je pense que nous, on peut porter. Ce que je vais dire aujourd'hui au Cameroun, c'est que nous sommes là. Si vous avez besoin de nous, la diaspora, on est là, on travaille. C'est vrai, on est en France, mais on travaille aussi pour vous. N'ayez pas, contactez-nous si vous avez le moindre problème. Nous sommes là, vos frères, pour vous aider, franchement. Voilà. C'est à votre tour maintenant. Vous allez être honneur de relever cette distinction de votre époque. Bah, comme vient de le dire mon mari, je suis très contente et très honorée avec vous.
parce que c'est un honneur et en même temps un plaisir de savoir que même si on vit de l'autre côté du Cameroun, mais qu'on reste un citoyen à part entière et que de par l'éloignement, on reconnaît les mérites même si on se trouve à des centaines de kilomètres. Donc ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, que ce genre d'initiative, je sais que ça se fait chaque 20 mai, mais que si ça peut se multiplier, c'est bien, ça encourage aussi bien les récipiendaires que toutes ceux et celles qui les entourent. Parce que je vais vous dire une chose peut-être, mais il y a de plus en plus, on a souvent le sentiment que lorsqu'on vit à l'étranger, on est oublié, on n'est pas aussi camerounais que ceux qui vivent dans le territoire camerounais. Donc en tout cas, ça nous fait plaisir. Moi, c'est la première fois que j'assiste à un événement comme celui-ci. J'espère que bon, c'est le commencement de toute une longue chaîne d'événements de cette envergure, quoi. Merci. Je peux ajouter un mot. Je pense que c'est un message fort du chef de l'État pour nous dire qu'il ne nous oublie pas. Même si nous sommes partis, la preuve c'est qu'on reçoit les mêmes honneurs que ceux qui sont sur place. Et vraiment, je pense qu'il faut, il faut espérer, il faut toujours travailler, aller de l'avant. Et je pense que les choses arrivent à temps, quoi. Il faut savoir attendre, comme on dit. Moi, je reçois cette médaille vraiment, comme je l'ai dit, avec un honneur, une fierté. J'ai du mal à m'exprimer parce que vraiment, je suis très heureux aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, chers téléspectateurs, ils sont heureux, ils ont été récompensés parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils aiment leur pays. C'est ce qu'on souhaite lorsqu'on a fait du bon travail, être récompensé. Vivement l'année prochaine. Portez-vous bien, au revoir. Merci beaucoup, merci. C'est moi. Merci. À bientôt, madame.